Salut à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur Fantasy Life. Il nous reste deux quêtes de footing à faire. Peut-être après faire des quêtes annexes. Bref, on a quelques trucs à faire. Après, on a carrément des quêtes. De carrière, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, on doit aller voir Daemon et on doit aller voir l'ancien sultan maléfique. Donc c'est parti. On va y aller. Hier, ouais, il y avait l'épisode de Pâques. Parce qu'en fait, j'avais pas pu rentrer pendant les vacances. Et je sais pas si vous avez vu. Mais je suis sorti un trailer de Zelda Ocarina of Time. Donc de mon let's play. Je le tiens à redire parce que j'avais dit la description. Mais je sais que peu de personnes regardent les descriptions. Donc en fait c'est pas du tout, je me suis pas du tout inspiré de vrai trailer, ce n'est pas du tout le vrai trailer. C'est moi qui ai filmé toutes les séquences que vous pouvez voir, c'est moi qui les ai découpées pour garder vraiment le meilleur, le plus intéressant. C'est moi qui ai rajouté le texte, c'est moi qui ai rajouté la musique, c'est moi qui ai fait de l'assemblage. Donc voilà, si vous dites que j'ai copié ou quoi, ce n'est absolument pas le cas. J'ai juste pris des séquences dans le jeu que je trouvais à peu près intéressant et puis voilà quoi, c'est tout. Bon. Pardonnez-nous. On dirait bien que ce jardin secret n'est finalement plus si secret que ça. Oh pardon. Je plaisante bien sûr, que vous êtes les bienvenus ici quand vous voulez. Je suis libre grâce à vous. Mais oui, on l'a délivré nous. On a pété sa pierre tombale. En réalité, je tenais à vous offrir quelque chose pour vous remercier. Tenez. Obtenu mieux enchanté. Obtenu sol maudit. Ouah, merci! J'imagine que le vieux, ou devrais-je dire, le jeune Eric, était enchanté de mon retour. En fait, il n'était pas super enthousiaste. Il a toujours aimé se cacher ses sentiments. Ne devrait-il pas bientôt se retirer du trône d'ailleurs? Oh non, il est très actif, après tout, c'est un jeune garçon maintenant. Ah, hélas, on dirait qu'il aurait été plus judicieux de le vieillir. Même s'il est trop vieux, vous ne pourriez toujours pas vous amuser avec lui. En effet, vous avez peut-être raison. Bon, bref. Voilà. Si certains regardaient mon premier épisode de Fantasy Life, ça c'est un des 4 coffres de Riveria que vous pourrez ouvrir. Donc voilà, je vous invite à aller voir la vidéo, la toute première de Fantasy Life. Vous allez juste voir la playlist et de Fantasy Life et vous cliquez sur la première, c'est extrêmement simple. Je crois que c'est les 4 coffres de Riveria. Comment ouvrir les 4 coffres de Riveria? On lui blablate. Donc bon. Voilà, voilà. Dedans, on veut obtenir une arme et une tenue, donc c'est plutôt intéressant. Bon, par contre, ça peut nous. Ah là, merci. Bon. Non, parce que bon, je me répète, mais c'est un bon jeu, mais il y a trop de dialogue, quoi. C'est pas possible, il y a trop de dialogue, ils ont trop mis de dialogue. Bon, du coup, on va pouvoir sortir. Voilà. Bon. J'espère quand même que le trailer vous aura plu parce que j'ai quand même mis du temps. Alors normalement, donc demain un épisode d'ACHHD, et normalement je vous dis, il y aura un top 5 sur Pokémon. C'est à voir, il faut que je termine, enfin il faut que je le monte parce que j'ai même pas commencé en fait. Donc ouais, il faudra que je... normalement je dis un top 5. Top 5 des Pokémon, top 5 des 5 Pokémon préférés de Pokémon Soleil et Lune. À mon sens, quoi, d'après mes goûts, quoi. Et puis vendredi, vendredi sur Harvest, vous verrez. Daemon, on est de retour. Ah, mais attends, c'est notre pote. Ah, quel joie de te revoir, Xelty. En plus, c'est pas moi qui ai parlé, c'est petit. C'est ça que j'aime pas dans les jeux, c'est qu'on peut pas beau. Enfin, généralement, on peut pas parler. Et ça, c'est un peu dérangeant. J'espère qu'il ne s'est rien passé à notre absence. Non, grâce à vos efforts, tout est rentré dans l'ordre. Père est de retour et mère est ravie. J'ai également pris une décision. J'ai décidé de conquérir le monde. Ah, vous êtes sérieux? Eh bien, plutôt oui. Bien entendu, je ne compte pas avoir recours à mes chevaliers magiques pour prendre Riveria de force. Mais alors, que voulez-vous dire? Je souhaite créer un monde en paix. D'accord. Si par gouverner le monde on entend un acte qui unifie tout le monde, alors c'est le genre de domination mondiale auquel j'aspire. Un monde dominé par la paix et l'unité.
Pfiou, vous m'avez fait peur. Vous êtes un petit plaisantin, vous savez. Bien heureusement, le monde en ce moment, même en paix. Le monde est en ce moment même en paix. Aucune guerre ne fait rage. Mais il y a une grande menace qui pèse sur Réveria. Cependant, c'est l'occasion idéale pour toutes les terres de Réveria de s'unir. En tant que futur maléfique d'Al Magique, je tiens à préserver la paix pour l'avenir. Ok, nous restons là. Très bien. Parce que Fontillon récolte des vœux. On ne sait pas encore pourquoi d'ailleurs. Peut-être que ça servira à quelque chose. Peut-être que ça sert juste à rien parce qu'elle fait ça parce qu'elle s'ennuie, je ne sais pas. Donc c'est son vœu le plus cher du coup. Enfin, c'est ce que j'ai compris quoi. Ok. Bon. Non, parce que bon, c'est quand même un peu long. Après, on va faire des quêtes secondaires. De toute façon, il nous reste quoi? Il nous reste une, deux. Il me semble qu'il nous reste que trois. Trois quêtes de Lunares. On en a fait. Je dirais qu'on en a fait trois. Trois ou quatre. Je dirais qu'on en a fait trois ou quatre de quêtes de Lunares. Il nous en reste trois ou quatre. Donc, voilà, puisque je ne fais pas les quêtes du DLC. Je ne sais pas, ce sera à voir, mais je ne pense pas faire une quête de DLC, honnêtement, parce que sinon ce sera un let's play beaucoup trop long. Alors, on sort de la forteresse du Sud Maléfique. On va juste faire quelques quêtes secondaires. Tiens, on va pas devoir aller à Castel, parce qu'on avait réussi une quête, mais qu'on n'avait pas... En fait, vu que j'avais dû couper la vidéo, bon, on n'avait pas eu le temps de le faire, donc voilà. Bonjour, bonjour. C'est à lui qu'on devait parler. Oui, je te la donne. C'est très loyal. Tu nous donnes quoi en échange? Les chenilles deviennent des papillons. C'est super, hein. En fait, les papillons ressemblent beaucoup à des chenilles, mais avec des ailes en plus. Pomme de Castel. Ne soirée va. Bah, c'est pas oufissime, hein. Non, c'est pas oufissime. Bon. Je pense qu'on va plutôt faire autre chose. On va aller au bureau de poste. Et oui, on va rentrer quelques mots de passe. Parce que je crois qu'il y en a quelques-uns que je connais. Donc oui. Bon, le plus connu, hein. Donc, je vais écrire comme ça. Non, j'ai annulé. Oui. Bon, je vais écrire le plus connu, hein. Je crois que il y en a un que tout le monde connaît. Tac. Il se nomme Réveria. Réveria. Voilà. Comme ceci. Avec bien l'accent circonflexe. Ah, il a donné. What? J'ai déjà fait. Ah oui, qu'est-ce que je suis bête. Bah oui, j'ai déjà fait les mots de passe. Bon. Sinon, il y en a un autre, c'est Style Flottillon. Je crois que c'est ça. Il y en a un autre, c'est Dompte le Dragon. Après, vous pouvez aller chercher sur Google, mais voilà, je vous en ai donné quelques-uns. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que, bon, les requêtes, il y en a qui sont un peu en qui n'ont à faire, on va dire. Et puis, de toute manière, la prochaine fois, on commencera les quêtes, la prochaine quête du Lunares. Donc, on va aller voir Flottillon. On va récolter les bonus de Lies. Et puis, on va s'arrêter là. Avec notre petit. Comment il s'appelle le perroquet? Comment s'appelle-t-il? Colores. Parce qu'il est bleu. D'accord. voir ma liesse. À quel point tu es en liesse? Bah écoute, moi aussi j'aimerais bien voir. Rencontre de l'ancien sultan. Séjour à la berge de la magie. Consolidation de l'amitié avec Daemon. Affaire Hirodin. Familiarisation avec Magnificius. A gagner le respect de l'ancien sultan. A gagner le respect de Daemona. Cottage d'Al Magique disponible. Bonus de liesse. Parfait. Lequel vais-je prendre? On a les trois améliorations du sac. Après, il y en a encore d'autres, mais c'est le DLC, donc pour l'instant, je vais pas les prendre. Bon, on pourrait prendre l'amélioration de la réserve, sans doute. Je pense qu'on va prendre l'amélioration de la réserve. Tac. Et voilà. Maintenant, on peut avoir jusqu'à 750 objets dans la réserve. On était à combien d'objets dans la réserve? Juste pour voir. 166. Bon, on va stocker quelques-uns du coup. Ça pourra vendre, oui, je pense. Tac, on va juste. Je suis juste en train de stocker quelques-uns.
Tac, on peut stocker ça, ça on s'en fout. Les anti-trucs on garde quand même, ça peut toujours être utile. C'est tout. Voilà. Oui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, bien évidemment. À vous abonner, c'est le TF. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Ciao tout le monde.